Wikipédia fonctionne grâce à des millions de contributeurs qui partagent leurs connaissances sur les projets donc Wikipédia et les autres projets de Wikimedia, Wikicommons, Wikiniversité, Wikinews, Wiktionnaire. Il y a de milliers de bénévoles qui contribuent plus ou moins régulièrement sur ces projets-là. Et certains sont beaucoup plus engagés que d'autres. Ils sont même administrateurs sur les projets Wikipédia et autres. Alors, les bénévoles peuvent être confrontés à de nombreux problèmes, notamment des problèmes liés à des contributions malveillantes qui répondent plus à des intérêts privés ou financiers. Par exemple, on peut avoir des entreprises qui font de la contribution rémunérée, ce qui est interdit sur Wikipédia. Et il peut y avoir des tas de personnes malveillantes qui interviennent sur Wikipédia. Et donc, cela nécessite à ce que des bénévoles soient mobilisés pour corriger ce qui peut être fait, ce qui peut être mal fait sur les projets Wikipédia. Et donc, il y a des milliers de bénévoles qui veillent à ce que les principes fondamentaux de Wikipédia soient respectés. L'un des principes fondamentaux majeurs de Wikipédia est bien entendu la recherche du point de vue neutre. Ce que Wikimedia France a mis en place pour faire face à l'épuisement de certains bénévoles face à ces problèmes, c'est avant tout le soutien psychologique. Il y a une ligne accessible pour tous les contributeurs, tous les administrateurs et tous les bénévoles qui sont investis sur les projets Wikimedia. Une ligne psychologique accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aussi un soutien juridique. Wikimedia France soutient juridiquement tous les contributeurs qui sont confrontés à des problèmes juridiques à cause ou grâce à leur contribution. Wikimedia France souhaite aller plus loin dans les prochains mois et souhaite proposer aux bénévoles et aux contributeurs un plan de formation sur la gestion de conflits qui permette de leur donner des outils permettant de prévenir les situations de conflit, les situations de conflit ou les situations d'épuisement. Alors, si vous souhaitez partager vos connaissances, si vous souhaitez lutter contre la désinformation, si vous souhaitez vous engager sur les projets Wikipédia et ses projets frères, n'hésitez pas à rejoindre l'association Wikimedia France et ou à rejoindre un groupe local près de chez vous.